Un membre du staff de Buckingham Palace a été testé positif au coronavirus juste avant que la reine ne quitte Londres pour Windsor. Si Elisabeth II souhaitait garder son calme et montrer l'exemple en ne cédant pas à la panique, une source avait déclaré au site britannique The Sun, elle est en bonne santé, mais il a été déterminé qu'il fallait mieux la bouger. Une partie de son staff a peur du coronavirus. La reine a rencontré beaucoup de monde jusqu'à récemment. Mais elle fêtera bientôt ses 94 ans et ses conseillers estiment qu'il vaut mieux éviter les risques de danger. L'assistant d'Elisabeth II a été testé positif au virus après être tombé malade la semaine dernière. Cependant, on ne sait pas encore si ce membre du personnel avait été proche de la reine récemment. Une source a déclaré à The Sun, le palais compte 500 membres de personnel, donc comme n'importe quel lieu de travail, il n'était pas inconcevable que quelqu'un soit infecté à un moment ou à un autre. Un porte-parole du palais a quant à lui déclaré, nous ne commenterons pas l'état de chaque membre du personnel individuel. Conformément aux directives appropriées et à nos propres processus, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger tous les employés et les personnes concernées. Elisabeth II prête à jouer son rôle pour vaincre le Covid-19 dans un message à la nation. La reine a demandé au Royaume-Uni d'être plus uni que jamais face à la crise du coronavirus et a assuré que la famille royale était prête à jouer son rôle pour vaincre cette infection mortelle. Elle a également félicité les médecins, les scientifiques ainsi que les services d'urgence qui luttent contre la pandémie, avant de souligner que tout le monde avait un rôle extrêmement important à jouer en tant qu'individu aujourd'hui et dans les mois à venir. Elisabeth II avait ainsi déclaré, beaucoup d'entre nous devront trouver de nouvelles façons de rester en contact les uns avec les autres et de s'assurer que leurs proches sont en sécurité. Je suis certaine que nous sommes à la hauteur de ce défi. But you wish that I was things I would do too.